can still make it. I think it's just about finding ourselves. We know what went wrong. Top four at Worlds is going to be our goal. Anything below that is going to be devastating. TSM is going to complete the A Series. Ambition goes down to Honsa. Like I said, TSM should be very proud. Excellent control display against the Samsung team. 생각보다는 많이 그렇게 영향을 안 끼친 것 같은데 저희가 딱 졌을 때 이제 환호성이 좀 들리더라고요. 그래서 되게 좀 분했고 복수하고 싶고. Here it comes, MLXG, no CC to speak of. Does get the javelin, Core JJ, the flash, the heal bait, the outplay, two kills for Samsung's jungler. 지금 좀 세 팀 경쟁 체제가 됐는데 그 두 팀을 꼭 이긴다라는 생각을 가지고 있고요. 就是希望三场都能赢。 Bonsoir à tous, bienvenue dans ces championnats du monde 2016 de League of Legends sur Gaming. C'est la troisième journée de la deuxième semaine de poule. Nono, nous sommes toujours à San Francisco. Et aujourd'hui est un grand jour pour l'Amérique du Nord et pour toi, Nono. Clairement. Étant donné que TSM joue dans ce groupe D, le groupe de la mort, groupe plein d'indécisions encore et de suspense. Biofrost et en face les coréens de Samsung avec QV, Ambition dans le canapé, les Splice à l'écran également, à l'entraînement avec Yamato Potato aussi qui moi je l'ai appelé Yasuo Dindon. Ça rime avec Yamato et avec Canon, donc ouais, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, Yasuo Dindon. Donc on est heureux de vous retrouver ce soir pour ce groupe qui est honnêtement un des plus attendus, notamment en termes de niveau de jeu, parce qu'on a l'impression qu'on peut avoir une véritable triangulaire Nono entre Samsung, RNG et TSM qui sont pour l'instant tous à 2-1 ouais, avec des Splice à 0-3. Et ouais, ça va être difficile effectivement pour les Splice. C'est un peu dommage quand même pour l'équipe européenne. Parce que je pense quand même que, je sais pas ce que t'en penses toi, mais s'ils étaient en fait, s'ils faisaient partie du groupe A, je pense qu'ils auraient pu faire ils auraient pu sortir des groupes. Ou en tout cas, ils auraient pu vraiment créer la surprise. Non, mais Splice, je pense que c'est... Là, c'est vraiment le groupe de la mort pour eux. Ouais, ouais. Je pense que Splice, enfin, c'est une bonne équipe, honnêtement. Et leurs lacunes sont assez visibles, elles sont connues. Mais sincèrement, je trouve que pendant la première semaine, ils ont plutôt bien joué. Clairement. Ils n'ont pas eu à rougir de leur performance. Il n'y a pas une game donc, du Splice est sorti où je me suis dit franchement ils ont été vraiment zéro. Non mais en phase 2 dans tous les cas il y a Samsung dur, extrêmement fort, RNG, TSM, c'est très très dur pour les Splice, ça m'étonnerait quand même qu'ils arrivent à arracher une victoire à une des trois équipes. Sait-on jamais, on a eu quand même beaucoup de surprises pendant ces Worlds, ça peut arriver une nouvelle fois pour les Splice. En tout cas, on a un petit récap des games des jours précédents de la semaine précédente. Samsung avait gagné contre les Splice, ouais. RNG contre les TSM. TSM a gagné contre Samsung, la RNG contre Splice, ouais, TSM contre Splice et Samsung contre RNG. Donc effectivement, 2-1, 2-1, 2-1 partout, sauf les Splice qui sont à 0-3 actuellement. Première game, par contre, de la soirée, mon cher Chips, ça va être Samsung contre TSM. Effectivement, les TSM avaient remporté la confrontation la semaine passée. Au cours d'un match honnêtement qui avait été maîtrisé de bout en bout avec des TSM qui étaient venus frapper très fort dès l'early game et qui avaient étouffé les Samsung tout simplement. On était sur une draft agressive, Nono, Kennen top, le Lee Sin de Zenskeren au la mid. Syndra de Bjergsen. Ouais, Syndra effectivement qui est un peu le pic à solo kill hein, au mid en ouais, ce moment. C'est exactement ça. Au bot, Jhin Brom, une duo lane plutôt stable mais qui apporte énormément
de pouvoir de pick-up trois de snowball en mid-game en fait. 3 picks pour double lift. Effectivement, Syndra, c'est un peu le champion qui domine complètement ses adversaires. On a vu justement Faker victimiser complètement Jensen. Et là, justement, au game de la semaine dernière, TSM contre Samsung, c'était Jensen qui avait complètement humilié. Crown, c'était un petit peu son animal de compagnie. Et ça fait mal, surtout le niveau de Crown, normalement excellent, est considéré comme l'un des meilleurs mid, évidemment. Bon, je crois qu'ils sont tous considérés comme les meilleurs mid présents au World, honnêtement. Et j'étais déçu parce que vraiment il est bon sur Varus, mais faut dire que Samsung ils avaient joué un peu une draft franchement un peu pussy, je trouve. Full POC avec Varus, Ez, Rumble pour finir de loin, Elise, enfin voilà, ça manquait un peu d'ambition du côté Samsung. Ça aurait peut-être pu passer, mais ils sont fait over snowball et à partir de là leur draft servait plus à rien. Et surtout Crown qui est parti sur une clean, alors qu'en face de lui il y avait justement Syndra évidemment qui le stun, mais il y avait un Lee Sin, donc finalement pas grand chose à clean si ce n'est le stun de Syndra. Et évidemment quand tu pars sur une clean, tu es extrêmement sensible à l'ultimate de Syndra, tu n'as absolument rien pour te protéger. Et évidemment Bjergsen l'a très très bien utilisé. Ça m'étonnerait quand même que Crown fasse cette erreur là. On l'a vu sur des victoires qui sont victorieux d'ailleurs, qui était extrêmement bon dessus. Et, et c'est vrai que Victor finalement c'est un champion qui fait tout actuellement. On sait très bien que les Coréens sont extrêmement bons sur le personnage. Ça m'étonnerait pas de voir Crown justement évoluer là-dessus pour arriver à tenir Bjergsen. Puisque finalement Bjergsen, qu'est-ce que c'est? C'est un joueur qui va arriver à wave clear très très alors, rapidement. Alors, Bjergsen, je te fais façon YouTube, qu'est-ce que c'est? Et ben Bjergsen, c'est quoi? C'est un joueur évidemment qui est parti Amérique. Et en fait c'est un joueur qui est extrêmement bon puisque tout simplement il arrive à push en fait sa lane, à dominer son adversaire et après à roam. On a vu d'ailleurs des synergies avec Faker là, non? Avec Zonskaren, bah presque finalement il se rapproche effectivement de Faker, mais on parle de synergie entre jungle et midlaner. Et ben Zonskaren et Bjergsen, le Bjergskaren comme je l'appelle, ils sont extrêmement bons, ils roament beaucoup. Donc justement partir sur un champion qui peut apporter beaucoup de wave clear avec un Victor sur la midlane va permettre justement au Samsung de dominer un petit peu cet TSM. Mais voilà, ça reste compliqué quand même. De toute façon, pour moi, on a vu notamment avec les matchs cette semaine, qu'est-ce qui est important pour l'instant en League of Legends, c'est... Oh là là, torse nu, peinture de guerre. Fan TSM, beaucoup trop chaud. Et qu'est-ce qui est important actuellement dans League of Legends sur cette méta, je trouve que avoir des match-up positifs sur les lanes, permettre à ton jungler de pouvoir dominer la river justement via ses match-up positifs, c'est quasiment ce qui compte le plus en fait. Tu peux décider de stall ta game, d'arriver en mid, en late, mais c'est des stratégies qui sont quand même difficiles, surtout vu les picks heures limites très puissants qui sont disponibles actuellement dans le jeu. T'as beau avoir des bans justement contre ce type de champion en général, tu peux pas échapper à tout type d'agression. Et TSM, c'est leur spécialité. Encore une fois, en termes de statistiques, c'est l'équipe la plus agressive de la région, la plus agressive présente à ces Worlds. Non, non. Oui, clairement. Et effectivement, la question en fait, c'est est-ce que Ambition va réussir à tenir Zonskaren? On rappelle la semaine dernière. Ils partagent beaucoup de picks. Zonskaren, la semaine dernière, avait eu 2 titres de MVP. Là, sa game contre justement Samsung et sa game contre Splice. Bah voilà, vous l'avez à l'écran. Avec ses stats, Kalier de 4.1, 2 fois Lee Sin, 1 fois Veskarner. Et je pense que d'ailleurs, c'est avec le Piskarner qu'il a drop un petit peu en termes de Kalier, puisqu'il n'a pas fait une très belle performance. En tout cas, il m'a pas particulièrement marqué, contrairement à Lee Sin, où il a été monstrueux dessus, très très agressif, du counter jungle, du kill solo. Enfin bref, c'était vraiment un spectacle du côté du jungle des TSM. Et là, par contre, en face de lui, il y a Ambition. Ambition qui a aussi récupéré un titre de MVP justement avec un Skarner, lui, face au RNG, si vous vous rappelez. Ouais. Et maintenant, la question c'est est-ce qu'Ambition. Bon, je vous cache pas, je l'ai beaucoup commenté pendant pendant la LCK. Cette année, un peu moins, puisque j'étais du côté des NA. C'est pour ça que nos deux supportent TSM au lieu de Samsung pour ce match. Hein, voilà. Voilà, il y a aucun moyen que ça soit lié. Il faut le dire quand même. Hein, et les Samsung, moi, à l'époque, en tout cas, quand je l'ai commenté intensément tous les matins, 10h évidemment. Avec toi, j'étais à chaque fois déçu par Ambition et je leur disais évidemment à Chips ou Noix, ah mais là il fait encore n'importe quoi Ambition, il était meilleur quand même sur la mid lane, etc. Et là ils me disent mais non, attends, est révolu, voilà, Nono. Ce temps est révolu, il a fait une fin de split extrêmement bon, etc. Et ben écoute, je suis curieux de voir ça face à Zonskaren, il est très chaud, Ambition il a effectivement montré pas mal de choses avec son Skarner. Je veux le voir maintenant face à Zonskaren, un jungle qui est extrêmement bon. On se rappelle, il a pris la pâtée la semaine dernière. Et un petit jeu. Hey
great as well if you do bad. Spence Cairns chase down and TSM throw the game away. But it's just like more motivation to actually improve. I think everyone on the team has their sort of fire. But Dennis, he is competitive in his own way. To him, like, a bad performance is disappointing us as his friends and his teammates. Like, he doesn't want to let us down, and that's his primary motivator. It's going to be a big test for SK Gaming. They have that roster swap in the jungle thanks to Spence Guerin's suspension. If we look at SK's weakness right now, it's a sub-jungle. There is just no synergy between the mid lane and jungle, obviously. That's it for SK Gaming. You know, as a team, as a whole, they feel that, like, you've wasted a whole year. I think last time at Worlds, I had a pretty bad mentality, and I was, like, more joking around and not really taking life as seriously as I am now. Like, looking back at it, I'm super disappointed in myself that I didn't give it my all to my teammates. Coming into this year's Worlds, it's just like everyone is just giving it like 110%, so I don't want to let my teammates down another time. I had never really had that perspective before I met him. And now that I've realized like what fuels him the most, it's really endearing. Like, it's really nice to have a teammate that really cares about you and like our relationship as teammates and friends. He's kind of the heart of the team. You know, he always makes people laugh if we're like feeling sad or had a stressful day at scrims. Sven is always the guy to make everyone kind of laugh and cheer up. I've never had a teammate that really cared that much about everyone on the team having a good time. And to us, having a good time is winning. So that's why he cares so much. Moving away to a new country and like meeting a lot of new people, losing weight as well, like kind of just helps my personality, I guess. Almost that physical change indicates like the mental state of mind that he was in at the time. You know, he like let himself go and he wasn't playing well and he was like not in good shape mentally or physically. But when he started working out, it sort of signified more than that, like his willpower and determination to be a better person, a better teammate. It just like all went up at the same time. So part of that was like his play improving as well. Spence Guerin, can he do it again? Right to the queue. One hops over. They've got Cube first blood. Getting a second chance at playing at Worlds, like to redeem myself. I think I was a super good player last time, but I didn't really get the opportunity to show it to the world. And this time I just really want to show the world that I'm actually a world-class player. I just really want to make a difference at Worlds. Faire la différence pendant les Worlds et pour le moment bah, il est en train de le faire clairement pour son équipe, il joue extrêmement bien. On va voir s'il va réussir à continuer sur les matchs retour. Maintenant les équipes vont évidemment être un peu plus préparées face au pic des TSM, face à l'agressivité surtout de Zone Skaren. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce qu'il justement il va pas pouvoir déployer son jeu comme il avait l'habitude de le faire? Est-il un jungler de classe mondiale comme il veut le prouver à l'ensemble du monde de l'e-sport pendant ces championnats du monde? Justement, Sven Skaren, on avait un double livre qui parlait de son changement de mentalité au cours de l'année qui s'est accompagné d'un changement physique. Parce que c'est, ouais. c'est vrai qu'il a minci Sven Skaren et le joueur s'est remis dans un état d'esprit positif, j'ai l'impression, et ça lui sourit. Et il n'y a rien à dire, en tout cas, son Lee Sin est clairement de classe mondiale. Pour moi, c'est le meilleur Lee Sin qu'on puisse avoir actuellement sur la scène compétitive de League of Legends, Sven Skaren. Et c'est d'ores et déjà un danger, ce pic, pour les Samsung. Vont-ils le laisser ou pas à Sven Skaren? Mais bah écoute, c'est une bonne question et je t'avoue que je pourrais pas te répondre puisque finalement à Lee Sin t'as pas spécialement envie de ban à Lee Sin. Tu peux pas me répondre. Il y a tellement de champions qui sont forts aussi actuellement dans la jungle, sur la mid lane, que tu favorises plutôt des bans Syndra, peut-être Vladimir, peut-être même le Victor de Crown, Denis Dali évidemment. Alors ban à Lee Sin, j'ai rien dit. Tu bannes des Lee Sin, bien sûr tu bannes des Lee Sin, Chip. Sven Skaren, la classe mondiale sur Lee Sin, bien sûr. Désormais, c'est au TSM de répondre avec un autre ban. Dans la jungle, la Nida de Ambition, what? Champion signature du joueur depuis son époque de la mid lane. La Syndra ban par les Samsung. Ban de Syndra en blue side, Chips. Crown doit pas la jouer. Et ban de Zaira, alors ça c'est vraiment étonnant. Contre Corjiji qui est passé par l'équipe d'Initas, qui est cool, l'ancienne équipe de KiwiKid. KiwiKid était considéré cette année comme la meilleure Zaira du monde. Et pendant ce Summer Speed, en tout cas, il avait été déclaré meilleur Zaira du monde par Zab et moi. Ce qui est un parterre de spécialistes suffisant pour faire jurisprudence. Donc voilà, KiwiKid, meilleur Zaira of the world. Et quand Gigi qui a imité son maître au poste. Il a appris. Quand Gigi, mais en tout cas, belle révélation. Quand Gigi en support pour les Samsung, extrêmement bon.
Il arrive à bien choisir, à avoir une très très bonne tenue de lane. Et c'est vrai qu'à chaque fois ça fait la différence, ça fait des affaires de ruler. Et d'ailleurs on a piqué directement le jean de Double Leaf. Double Leaf, on vous rappelle, c'est 3 pics de jean la semaine dernière sur 3 matchs. Bien entendu, un OTP. Lui en tout cas, Double Leaf, il a vraiment des périodes d'OTPisme, j'ai envie de dire. En saison régulière c'était Lucian, pendant les Worlds ça a l'air d'être jean. Peut-être que là il va se rediriger vers Lucian. Sachant que, évidemment vous le savez, Ashe a été nerf, donc beaucoup moins plébiscité par les joueurs, les carriadés présents dans ces championnats du monde. C'est marrant, Double Leaf, cette tendance qu'il a OTP là sur cette fin de saison. Après, il a raison, puisque finalement le jeu, comme il a expliqué dans une interview, est plus à décentrique. Il est rentré dans une équipe chez TSM qui n'est plus à décentrique, contrairement à l'époque où il évoluait avec CLG. Et donc du coup, il s'adapte. Et effectivement, quel est le meilleur champion qui peut justement aider ton équipe où t'as pas besoin d'avoir de récupérer 6 items? Évidemment, c'est Jean. D'ailleurs, Forgiven, il n'a pas encore appris ça, puisqu'il joue des Caitlyn et en général il va jamais aider ses coéquipiers avant d'avoir 6 items, il farm en permanence. Et c'est vrai que Double Lift, il a vachement step up à ce niveau là. Pourtant c'était lui justement qui arrêtait pas de dire on attend 6 items et après on finit la game. Ouais. Mais là il a appris avec les TSM. Ouais, c'est vrai qu'il se met un peu. Mais après on en parlait hier et la vérité c'est quand même que Double Lift, on en parlait tout à l'heure. Double Lift maintenant est dans une équipe où il peut faire un peu plus confiance à ses coéquipiers. Clairement. Par rapport aux années précédentes où chez CLG il était considéré comme le carry numéro 1. Du coup il peut sans doute essayer de bouger un peu au niveau de son style de jeu. Bon là, pas de Jean pour Double Leaf, mais sans Lucian, voilà, qui va être retour. Récupéré. Le retour du Lucian. Plus de 25 picks, je crois, pendant le Summer Split sur ce bien. Champion. Ça c'était insane. Plaisir. Un Kennen également pour Onzer, avec une Karma. Donc là, la Karma qui va pouvoir appliquer son boost de mobilité sur ces trois carries. Le Olaf, le Lucian, le Kennen. Excellente synergie. Côté Samsung, Korjiji sur son Kench. On voit régulièrement des bans de Kench contre Korjiji, donc... Les Samsung, ça va être là, intéressant. Une composition qui fait flipper. Surtout un petit que peu, Kench c'est peur. Excellent contre Kennen, contre Olaf. Et la protection de Jean et de Victor là va pouvoir être assurée. Ouais, pas mal de zoning, effectivement, d'avoir récupéré justement ce Jean. On a des carries directement, ça apporte un petit peu de CC. On enchaîne directement sur un champion physique sur la en jungle. Oh, le Zilean en last pick. Et le Zilean côté de Team Solomid. Très très malin comme pick. Ça y est, Double Lift va pouvoir briller dans cette game là. On l'avait vu justement un petit peu passif peut-être du côté de son Jean, puisqu'il avait plutôt un rôle de soutien avec ses floraisons mortelles et son rappel du rideau. Là cette fois-ci il aura vraiment un rôle de carry pour les TSM, avec justement ce Zilean qui va pouvoir le raise, il va pouvoir se permettre de faire des dash-in. On l'a vu d'ailleurs, Double Leaf carry la game contre les C9 pour la finale. C'était extrêmement bien, il a survécu à 200 HP, il a réussi à tuer toute l'équipe des Cloud9 avec une très belle culling à la fin. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse à peu près les mêmes plays, mais la composition des Samsung est loin d'être mauvaise. Oh, il est honnêtement, ils ont énormément de pick-up de loin avec le Jean. C'est ça, un petit SM joue plus sur une draft de proximité, ouais, avec tous ses boosts de mobilité. Ce Kennen qui est clairement un match plutôt corps à corps, Olaf, énorme bruiseur. Mais je sais pas donc voilà, Lucian même qui est un carry AD avec une range, ouais, avec une range qui est quand même qui est pas monstrueuse, clairement, ça fait pas partie des plus gros à ce niveau. Du coup, plutôt draft de proximité côté TSM face aux Samsung qui ont Rumble, qui ont Jean, qui ont Victor, qui devrait build un Riley. Donc que des champions qui vont essayer de maintenir la distance, de te tuer de loin. Deux philosophies de jeu assez différentes, Nono. Donc les conditions de victoire paraissent relativement claires quand tu vois les deux, ouais, drafts de toute façon. Clairement. Mais d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais le duo Rumble Jean est quand même l'un des meilleurs combos, je pense. Maintenant que GP n'est plus là, en fait, Rumble est une forme de remplacement, même si il est en magique. Mais justement, ça donne l'occasion, justement, tu peux bombarder en magique et en physique un champion, alors qu'avant c'était seulement en physique avec le Jean Gangplank. C'est ça. Et vraiment, enfin, c'est vrai que ce combo est extrêmement fort avec la Rek'Sai qui est le petit trick avec le Jean. Justement, tu poques au sondeur, ça permet de mettre une éclosion mortelle facile sans prendre de risque pour ton équipe. Samsung sur une draft finalement qui demande peu de prise de risque. Tu peux la rendre efficace en prenant peu de risques, Nono. Peu de prise de risque, effectivement, mais par contre, la lane phase va pas être si facile que ça. Sur c'est la top vrai. Lane, évidemment, Kennen contre Rumble, avantage Kennen largement. Ben, un range, beaucoup de CC en plus, donc il faudra faire attention du côté de QV à pas trop overextend et à pas mourir sous les coups de shuriken du Kennen. Sur la mid lane, c'est assez safe, Zilean va push.
Victor va push. Botlane par contre, avantage pour Biofrance et double leaf, bien entendu. Deux range, du coup de quoi mettre beaucoup de pression. C'est un peu le problème d'un Kench, c'est effectivement fort à partir du moment où il arrive à mettre un coup de langue, trois auto-attaques pour justement dévorer son adversaire. Mais ça reste extrêmement difficile à placer sur une lane, surtout face à deux range. Tu vas avoir en plus du kiting de la part de Biofrost sur sa Karma. Donc c'est vrai que finalement, à part peut-être la mid lane qui va être even, je pense que top lane, bot lane, sans faveur des TSM. Bah écoute, je pense qu'effectivement au niveau des match-up, TSM a réussi à se mettre dans une bonne situation. C'est une équipe qui va toujours viser justement ce genre de choses. Intéressant. Alors là, je suis curieux. Qu'est-ce qu'il va faire, mais tous les Olaf pendant ces championnats du monde font pratiquement une route différente. On avait vu évidemment, ça avait commencé avec X-Mithy qui avait ouvert le bal, qui avait fait une route atypique, qui avait été payante, puisqu'il avait commencé lui Blue Buff, et donc il avait réussi à passer level 6 bien avant son adversaire. Du côté de Zvenskeren, par contre, ça va être un starter red side, avec un Olaf qui a quand même besoin beaucoup de mana pour arriver à wave clear rapidement, utiliser toutes ses haches à bon escient. Mais là, du coup, il va avoir un petit peu plus de mal. Est-ce qu'il va partir sur les loups ou est-ce qu'il va avoir rush sur son blue buff pour utiliser son smite? Ouais, rush le blue buff. Alors du côté Samsung, on a ambition qu'il conserve le blue buff donc pour les niveaux suivants, pour le donner à Crown sans doute. Peut-être après le premier bac de Crown pour lui permettre d'accélérer sur son adversaire. Ou alors après avoir forcé Bjergsen justement à utiliser un maximum de mana sur sa lane pour résister à la pression. Crown qui enchaîne bien sur les phases d'agression ici. Il joue entre les bombes. C'est touché celle-là tout de même de la part du Bjerg, mais Crown répond bien. Un gros duel qui s'annonce entre ces deux joueurs. Alors le Olaf de Zvenskeren, il a fait le bleu, il fait les loups. Il va chercher le niveau 4 et derrière. Il va faire un gromp, essayer de faire un gank. Après sur la mid lane, ça paraît difficile, on n'a pas beaucoup de CC. Il faut que Bjergsen arrive à toucher ses double bombes. Peut-être Carapater top. Et je pense que la top lane est le plus probable pour Zvenskeren. Ouais, il va aller au Carapater. Regarde d'ailleurs, ça va ping directement. Vous avez vu comment la communication est super importante entre le mid laner et le jungle. À chaque fois que Zvenskeren va récupérer un Carapater dans les premiers niveaux, il le ping systématiquement à son mid laner. Pour vous dire, ok les gars, ou à son top laner bien entendu. Ok les gars, je vais récupérer un Carapater, soyez prêts. Mais non, finalement, changement de décision, Zvenskeren rush sur la top lane, c'est Scout par QV. Ouais, cette droite qui était positionnée depuis un moment sur un timing qui permettait justement à QV de couvrir ce genre d'agression. Et là, oh, il a pris l'information sur le blue buff, mais Ambition sait qu'il sait. Mais Zvenskeren, c'est risqué. QV est beaucoup plus proche que Kennen. Oh, ça pourrait se refermer sur Zvenskeren qui, bien sûr, n'a pas nul tiers de la partie. On raconte un flash. Oui, le flash d'Ambition pour un first blood coréen dans ce début de partie, Nono. Alors là. Ouais, sans flash dans la rivière. Attention, QV, beaucoup de haras sur Hunter. Ils ont pas de flash. Est-ce qu'ils vont oser le faire? On pourrait avoir un TP de la part de Bjergsen. Ambition. Ambition, le passage. Bien joué. Il va tomber finalement. Ambition, mais Hunter qui tombera également là-dessus, Nono. Et QV à 1-0-1. Dommage pour le flash de Hunter. En tout cas, il avait réussi à avoir ses stacks de foudre sur son auto-attaque Hunter. C'était très bien joué de sa part. Je ne sais pas du tout comment il a réussi à trouver ce passif. Mais du coup, il arrive à récupérer le kill. Dommage par contre pour le first blood qui a été. Pour le kill qui a été. Le flash pardon qui a été cramé par le top laner. Et là, Zvenskeren évidemment qui fait une grosse erreur. Regardez la configuration de la map. Hunter n'a pas du tout la pression au niveau de cette top lane. Donc évidemment, il est arrivé bien après. Oh. Attention, le flash de Crown pour un solo kill de Crown sur cette mid lane. Le 1v1 qu'on attendait, qu'on annonçait disputé entre ces deux joueurs. Bjergsen est connu pour peu reculer, Nono, pour bien souvent dominer ses confrontations. Et Crown le prend à son propre jeu sur peut-être son meilleur pick. Crown. Oh là là, qu'est-ce qui se passe du côté des TSM? En train de se fissurer. Bjergsen a donné un kill. Zvenskeren surtout avec son Olaf qui donne un kill qui est très très embêtant. Avec Olaf justement, t'as besoin de récupérer beaucoup d'expérience puisque finalement c'était Spell qui vont apporter le DPS. Et après tu vas faire une optimisation tanky. Après, bon, l'important, le membre le plus important de la composition des TSM, c'est Double Lift. Et lui par contre il reste debout avec 12 CS d'avance sur son vis-à-vis, 10 CS d'avance pardon. Ce qui est intéressant finalement, c'est que TSM, s'ils ont un joueur qui est pas bien dans son match, le soutien qu'il y a derrière sera toujours efficace. Ils ont 3 options de carry différentes. Oui. Et je pense qu'ils peuvent partir du principe que normalement ça devrait. Ils devraient avoir au moins une source de carry qui devrait être efficace dans ce match quand même.
au vu de leurs prestations, de ce qu'ils sont capables de faire. Pour l'instant, on a Double Eve qui est effectivement en bonne situation sur sa lane. Nono avec une dizaine de CS d'avance et ça domine. Mais voilà, on le sait, la range, notamment de la Karma, permet de faire la différence. Ouais. Ça me semble plutôt prudent sur cette phase de lane. Et on va essayer de deny le sbire canon. Ah, c'est facile de passer. QV par contre, sur la top lane, peut-être avec les Equalizer. Il a tenté le all-in sur Ranger et finalement, grâce à ses kills récupérés du côté des Samsung, on a du mal à dominer de la part d'Hunter sur son match-up. Et Ambition, par contre, qui a récupéré le Tiamat assez rapidement. Il va pouvoir wave clear très c'est très efficacement. C'est lui qui prend le First Blood. Pardon, c'est Ambition qui prend le First Blood sur Zanfuret ou c'est QV? Ah, je sais pas. Je crois que c'est Ambition. Je pense que c'est Ambition, hein, parce qu'il sort le Tiamat là comme ça. Oui, c'est Ambition. Ouais. Puisque Hunter a stun. Ouais. A stun Ambition. Ah, ça y est, ce fameux blue buff finalement donné à Crown. Déjà, oh là là, c'est un peu mal mené par contre Hunter. Ah, QV qui à chaque fois est intelligent sur ses déplacements, il arrive à trouver le haras de loin sur Hunter. Ambition, l'information est prise par Svenskeren. Ambition qui va récupérer la pink ward ici. Svenskeren sous pression, le décalage de QV également dans cette jungle red side des TSM. Ils vont aller le chercher, il y a la vision pour TSM. Les Américains vont-ils répondre ici, Nono? Non, la Rek'Sai domine avec ce Tiamat notamment. Le Olaf de Zenskuren pour l'instant ne fait pas forcément le poids face au Tiamat. Non, quand t'offres une mort, effectivement, avec un Olaf, c'est toujours très très embêtant. Le dodge qui va pas passer, QV qui va réussir à trouver le double harpon. Et en tout cas, l'intelligence de jeu de la part de Zenskuren, il a évidemment pas commis pour récupérer un red buff, ça n'a aucune utilité. Surtout que l'XP est pas très important. Tu en reçois autant quand tu récupères par exemple des Corbins ou des loups. Évidemment, Zenskeren, hein, il va partir par contre directement en counter jungle, il va avoir du mal. La défense de Crown. Et là, on voit finalement que Crown, comme il a l'ascendant sur son vis-à-vis, il peut permettre à Ambition de récupérer tout le farm et de contrôler sa jungle. Alors, Zenskeren, lui, ne peut pas être protégé par Biersen pour le moment. Zenskeren, on le voit, il est. Enfin, dans l'attitude, je trouve que dans ses invades, etc., il joue plutôt comme il jouerait avec sa Lee Sin, avec son Lee Sin par exemple. Mais le problème, c'est que Olaf n'est pas un champion qui permet de faire exactement les mêmes choses, Nono. Non. Et du coup, il faut qu'il pense à farm, surtout avec Olaf, Zenskeren. Enfin, c'est un mix bizarre, parce que Olaf peut vraiment être un champion incontrôlable pour moi si t'arrives à trouver un gank ou un bon counter gank en early game. Mais tu peux pas te passer du fait de farm. C'est un jungler qui a besoin de ça. Ouais, c'est ça. C'est un jungler qui est censé spike entre et 15 surtout, et 20 minutes de jeu. Surtout pour un Olaf, il a besoin d'XP. C'est tellement une valeur importante. Ouais. Pour justement monter sa frappe sauvage. Et justement, il est derrière Ambition pour l'instant à ce niveau. Même si c'est de peu. Oh, c'est pas mal. Par contre, la clinique double lift, ça va faire un petit peu de dégâts sur Ruler. Est-ce qu'on va tenter le all-in? Non, il y a toujours le heal évidemment disponible. Ou le flash sur le carry des Samsung. Mais par contre, il a pris beaucoup de dégâts. On a du sustain évidemment du côté de Korjiji grâce à son Targon. Mais ça reste assez léger. Donc si on arrive à maintenir la pression de la part de double lift et de Bureaufrost, on devrait avoir un sérieux avantage. Et il faut rappeler, on est toujours. Donc certes, on a offert des kills du côté des TSM. Mais il y a toujours cette course évidemment au first blood. Au first brick, pardon. Plutôt. La récupération de la première tour, 650 gold, ouais, qui intéresse évidemment fortement double lift. Comment les équipes vont réussir à mettre ça en place? On voit une Ambition au niveau de la bot lane. Quel bah là, travail cas, hein, sur la vision de la part d'Ambition. La duo lane des TSM, c'est exactement comme ça qu'il faut faire pour récupérer une first brick. C'est tout simplement mettre la pression, push la wave sous la tour adverse et en fait laisser les creeps finalement commencer à grignoter un petit peu cette tour. Et du coup, après un beau move, une bonne synergie entre le support et la décarry, on récupère un kill et après ça débloque directement. Et QV qui n'hésite pas à cramer des Equalizer, Popoc, un petit peu Hunter. Il a défendu sa pink ward, bien joué à lui. Qui va regagner. Attention, par contre, le all-in. Attention, Biofrost, c'est Ruler, qui se recule. Il a un crit, il va le chercher. 687, mais c'est double lift. Et Biofrost sur la main, pas que le rappel du rideau. Korjiji, la peau dure, le flash de Korjiji, dévoration. C'est pas mal. Korjiji qui sera parfaitement cut. Et Biofrost a flash in. Flash out de la part de Ruler, agression maintenant au mid. Autour du mid en tout cas, pour Ambition. Et Crown face à Biersen, oh, c'est Zenskeren maintenant au niveau du bot, Nono. Ça peut leur faire du bien par contre TSM de récupérer un kill, surtout à Zenskeren avec son Olaf. Il va pas chercher le kill en bot lane. On essaie de stopper les hostilités du côté de double lift et de Biofrost. On n'a pas d'informations aussi sur Ambition. Attends, quoique, ça y est, on change d'idée du côté des TSM et on va engage directement de la part de Biofrost. Faut laisser le kill éventuellement à Zenskeren. Ça ira pour double lift. Mais ça fait clairement les affaires des TSM. On va essayer justement de récupérer cette first brick. On en parlait, la tour qui a été bien grignotée par les creeps justement, par les moves de double lift et de Biofrost qui push leur wave à chaque fois sur la tour adverse. Et du coup maintenant,
la first break qui va tomber sur double lift. Évidemment, on laisse les 650 gold au carry AD. Président de la graine, le carry AD a besoin des gold. Surtout 650 gold, c'est pas du énorme. Tout biaisé. Hein. Le lobby des carry AD ne parle pas aussi. 650 gold, non mais rentre cette table de cast. C'est tellement énorme. Pour Draven, c'est habituel. Ouais. Et là, on va envoyer les moves. Pourtant, les moves des Samsung sont extrêmement bons. Hein. Justement, la façon dont ça s'est fait finalement. Pourtant, il est très bon, France, quelle intelligence de jeu. Il coupe parfaitement. Et heureusement qu'il avait son flash encore disponible du lift. On va se remplacer. Même si la peau dure, est forte. La peau dure. Évidemment, ça a ses limites. Et une nouvelle fois, QB. L'équaliseur, vas-y. Quoique, peut-être pas. Oh, mais silence, QB, silence, c'est le meilleur moment. Si, pour si, Fred, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Ambition, le flash est une ambition qui intervient ici parfaitement. Et l'éradication, oui. Onzer qui va tomber sur cette phase de jeu. On a un QB qui bait parfaitement ici. Et ambition au rendez-vous, Nono. 4 kills à 3 pour les Samsung. Très intelligent de la part de QV en tout cas d'être parti sur des Mercury. Et directement, Zanskaren va partir en counter jungle, bien entendu. Il a l'information que son vis-à-vis est top lane. Bjergsen par contre qui va prendre des dégâts de la part de Crown. Il a toujours son ultimate de disponible parce qu'il va retirer à trait, trouver le stun peut-être. Avec l'arrivée de Zanskaren. Val flash. Finalement, Direct. Travis. Oh! Direct. Oh là là, deuxième solo kill de la part de Crown ici, avec la présence de Biofrost juste à côté, une traversée des abysses de Korjiji pour venir couvrir justement son mid laner Crown. 2-0 sur cette mid lane. Payback, il y a l'arrivée de double lift, c'est regardé les double lift, il a récupéré Sayumu, il va faire beaucoup de dégâts, 5 kills forcément pour les TSM et pour le carry AD. C'est dommage, on n'est pas parti récupérer Crown. Après, c'est ça qui est un peu embêtant hein, avec un Tahm Kench. C'est que tu es obligé de partir sur lui, sinon tu peux être sûr et certain qu'il va sauver évidemment la personne que tu as ciblée. Et par contre, on a récupéré une Yumu hein, du côté de double lift, et ça c'est vraiment un gros avantage pour le carry AD des TSM. On va pouvoir mettre du rythme, tu en parlais justement Chips, cette capacité oh, à pouvoir... Il les a vus. Ouais. Tu en parlais justement Chips, cette capacité à pouvoir compenser la faiblesse des autres joueurs des TSM avec un qui carry. Et bien là, double lift, il est parti pour, hein, ouais. Avec sa Yumu. 3-0 sur son carry. Qui a récupéré le raid? Je crois que c'est Zanskaren qui l'a récupéré. Ouais, c'est Zanskaren qui l'a récupéré. Et donc en fait maintenant le travail de la part de Double Leaf, ça va être, ça c'est marrant puisque c'est assez inhabituel finalement d'un carry AD, si ce n'est d'un Lucian qui a de l'avance ou un Jhin. Il va essayer justement de faire respirer ses alliés en essayant de mettre un maximum de roaming et éventuellement de récupérer des tours. Avant on va partir évidemment sur le dragon des nuages. Oh là là, le trade une nouvelle fois entre QV et Hunter. On n'arrivera pas à toucher le shuriken. Du côté de Hunter, QV là pour le moment qui joue extrêmement bien son match-up. Et donc oui, ça va être assez marrant de voir finalement Double Lift essayer de mettre la pression sur tous les joueurs des Samsung. Et par contre le gros problème pour le carry AD des TSM, c'est qu'il va tomber face à Crown qui est extrêmement bien. Nous sommes à 14 minutes de jeu, Chips, il a déjà son carry stack level 3. Ouais. Et ça fait la différence. Et derrière, on va pouvoir s'attendre à voir un Riley potentiellement, ce qui va lui permettre de kite énormément. Mais encore une fois, le problème pour TSM, c'est d'arriver au corps à corps et d'y être efficace. En tout cas, d'arriver en range et être efficace. Là où Samsung n'est pas forcément obligé de jouer les fights. Ils peuvent la jouer sneaky, ils peuvent essayer d'épuiser finalement les TSM, de développer leur macro game et d'essayer de pick up au fur et à mesure. C'est une équipe qui a su se fondre justement dans ce type de style de jeu et que, attention, on va traverser les abysses ici. Oh là, quel backup qui arrive par contre. Son opportuniste, c'est Samsung, mais pas suffisamment. Le TP de la part de Bjergsen. Attention, Zanskaren, c'est du 3v3, c'est du 3v3. Potentiellement, Ambition qui se retourne, c'est loupé, c'est Umbero. On visait Bjergsen, très clairement, le Maelstrom de la part de Hunter. Il tank énormément Ambition, mais pas suffisamment. Crown, une tempête de chaos. Il est exécuté encore à corde, non. Toujours plaisant de voir Kelly au corps à corps. Ça fait extrêmement mal. Tout dans la bouche. Et par contre, le back instantanément de la part des TSM, on décide de reset. Pourquoi? Est-ce qu'on essaye de se mettre en place autour de ce dragon? Est-ce qu'on a envie de le récupérer? Ou au contraire, est-ce qu'on veut défendre cette tour bot? Oh là, qu'est-ce que c'est nul pour bouger les tours, Jhin. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à utiliser cette supériorité numérique du côté des TSM. On voulait juste des kills, finalement, du côté de l'équipe américaine. Pourquoi pas? Après tout. C'est quand même 300 gold hein, par kill, c'est non négligeable. Sauf que ça allait une fois dans la poche de double lift, non, même un peu plus, puisqu'il a récupéré le shutdown sur Crown.
Et après un kill. L'ambition, regardez, là il visait le double bureau. Enfin en tout cas le bureau sur Bergson. Ouais. Mais il le loupe. Il le loupe. Et là, Karen, ouais, du coup, derrière, il a pas de contrôle à porter la crown. Et la queue dans la bouche. 330 gold. Je pense que c'est pas mal finalement d'aller récupérer des kills uniquement, même si tu peux pas transformer pour le moment en objectif, en récupération de dragon, en récupération de tour. Ce qu'ils veulent, ils ont déjà récupéré la first brick finalement, les TSM. Donc là, en fait, ils veulent juste rattraper leur adversaire au niveau des golds. Et finalement, on a parlé justement de cette pression de la part de Double List. Il va avoir un rôle de faire de bouteilles d'oxygène finalement pour ses alliés, de les faire respirer un maximum. Et ben, ça a très bien marché puisqu'il a en fait il a enlevé le joueur le plus feed des Samsung directement. Il était aidé de Biofrost, bien sûr. Ça reste un carry AD, jamais sans son support. Et QV, par contre, il a récupéré maintenant son abyssal. Il va faire mal sur Hunter. Très belle utilisation d'ailleurs de la part de QV. Bah effectivement il s'est adapté, il est contre un double AP, il le sait, même s'il y a d'autres forces dans la draft TSM et il ne néglige pas eh bien, la fameuse pénétration magique qui est si importante sur Humboldt, étant donné que le personnage n'est pas forcément connu pour être un scaler sur ses ratios. On va chercher plus de la pénétration magique. Ambition face à Hunter, ils ont l'information des Américains, c'est un bait, potentiellement on a justement Zenskered juste derrière, le 2v2 ici. Je pense qu'Hunter tomberait très rapidement s'il joue le 2v2. Ouais, c'est plutôt l'avantage des Samsung à mon avis. Il y a le backup qui arrive tout de suite. Hunter probablement qui a dû faire les calls. Ok, je suis dans une mauvaise position. Il y a l'ultimate de Rumble de disponible. Il y a éventuellement un flash in de la part d'Ambition. Il me faut du backup absolument. Zenskaren directement qui s'y dirige. Et Bjergsen aussi qui avait fait la rotation. Là par contre, le midlaner des TSM devrait être dans une meilleure position face à Victor. Tout simplement parce qu'il va pouvoir wave clear très très efficacement comme son vis-à-vis. Sauf que lui, il a l'avantage d'avoir beaucoup plus de mobilité, bien entendu, grâce à son speed de move speed. Et le dragon, par contre, des nuages, hein, qui est toujours disponible pour les deux équipes. Nous sommes à 18 minutes de jeu, Chips. Et ce dragon-là n'a toujours pas été récupéré. Ouais, on voit le wave clear. Hein. Ah, dommage. Celui-là, il échappera. Ouais, finalement, Bjergsen, malgré ses deux morts en solitaire, il a quand même très bien farm. 200 gold de retard seulement. Ouais, les carreaux gold est insignifiant. Donc, pour l'instant, TSM. Qui est plutôt bien dans son match. Attention, ce genre de phase de jeu pourrait leur donner raison. Quand Gigi, le sauvetage sur Ambition. Oh, c'est récupéré pour Skuren. Qui repartira, et eh bien, les mains pleines de cette jungle Samsung. Le dragon également qui est enchaîné, les Américains commencent petit à petit à lancer leur match, Nono. C'est fou hein, de voir un Ola finalement qui arrive à revenir dans une game. Normalement, c'est extrêmement dur. Mais finalement, il a réussi justement par des petites escarmouches grâce à ses coéquipiers. Le bon téléport de la part de Bjergsen aussi pour arriver à récupérer un double kill tout à l'heure. Ça les met dans une bonne position. On veut juste récupérer des golds du côté des TSM. De l'XP évidemment sur Zenskaren, il est level 12 maintenant. Il est dans une très très bonne position le jungle de TSM. On va être en plus très embêtant pour les Samsung puisqu'on va pouvoir courir directement et se mettre sur la tête de Crown. Finalement ça va être le travail de Zenskaren, hein, de courir sur Crown. Bon, attention par contre à Ambition. Si le lock passe de la part de Biofrost, ça peut être mortel. Ouais mais voilà. Une Rek'Sai c'est vraiment insaisissable. D'ailleurs ça serait bien d'aller récupérer les tunnels du côté de Biofrost. Mais c'est vrai que ça a la force aussi d'un Olaf. Quand tu joues contre un héros statique type Syndra, type Victor, tu vas vraiment essayer de leur courir dessus. Le problème, c'est que Victor, Syndra ont beaucoup de burst. Donc finalement, un Olaf qui court sur eux, en général, il meurt instantanément. Sauf que là, en backup, il avec Zilean, c'est différent. Exactement. C'est différent, c'est sûr. Il faudra tuer deux fois pour les Samsung. Ou alors ne pas teamfight, Nono. Ou enfin réussir. Là je vois pas, en fait ils peuvent pas full speed push puisque Hunter au bout d'un moment va dépasser je pense QV. On l'a bien vu dans Impact contre qui déjà où il a pas arrêté de tuer son vis-à-vis en boucle. Je pense pas qu'ils peuvent speed push mais je pense qu'ils vont la jouer façon Samsung, c'est-à-dire maintenir une pression constante sur objectif en termes de vision en fait. Ils sont malins, ils bougent pas. Et derrière essayer de pick up, en fait c'est une équipe opportuniste Samsung. Donc je pense pas forcément, effectivement je pense pas qu'ils puissent jouer vraiment le speed push. Par contre, c'est une équipe qui sait maintenir de la vision autour d'un objectif pendant très longtemps. Et c'est sûr que c'est pas avec Ambition. Ils font peu d'erreurs. C'est pas avec Ambition que tu vas mettre du rythme. Bah ça dépend honnêtement. Honnêtement ça dépend vraiment, mais bon c'est cette intelligence de jeu aussi qu'ont les Coréens qui fait qu'ils sont en général très difficiles à tuer, qui peuvent quasiment toujours comeback. Oui, c'est sûr.
surtout qu'on évolue dans tous les cas avec un Victor. Même Ruler, finalement, il arrive à tenir. On n'a toujours pas récupéré de tour, par contre, du côté des Samsung. Ah si, autant pour moi. La tourbotte qui est tombée. Ben, je pense que Samsung jouera vraiment sur le timing Riley et Draktar. C'est le moment où ils pourront vraiment... Ils seront à leur pic en termes de contrôle dans la game. Et à la fois, ils auront les moyens de tuer rapidement quelqu'un, justement. Oui. Donc, je les vois jouer à partir de ce moment. Peut-être que TSM devrait accélérer autour d'une Ashore avant, justement, que Samsung puisse mettre en place son plan de jeu au niveau de leur premier vrai Power Spike. Voilà, c'est tout l'enjeu. Les Américains, ils ont deux items sur Kennen, là, Nono, par exemple. Deux items sur Double Lift. Eux, ils peuvent pas attendre, je pense. Enfin... En tout cas, ce serait une erreur d'attendre de laisser le Riley et ce Draktar arriver. Ah, le Riley, ça, il est en poche du côté de Crown, pardon. Mais par contre, ce qui est bien dans la composition des Samsung, c'est que justement, ils ont beaucoup d'AOE. L'AOE qui va leur faire beaucoup de bien justement contre l'ultimate de Zilean. Il faudra absolument à trouver un très très bel ultimate du côté de Rumble. Pareil du côté de Crown. En fait. Je pense que tout le travail du côté des TSM, mais attends, le all-in, justement, on a parlé de ce 1v1 Hunter contre QV, on a raté quand même le Shuriken de la part de Hunter, quoi qu'il touche maintenant l'Equalizer qui va passer, le Protébel in de la part de Hunter, on va mettre directement l'ultimate de côté de Jersen, flash out de la part de QV, pourquoi ? Ah, il a voulu s'en tirer, mais je pense qu'il avait pas vu Bjergsen arriver en fait, tout simplement, il va tomber là-dessus QV, et directement face la à Hunter, attention, les Samsung peut-être pour une action ici, on tente le on veut prendre le Ragnarok sur Resident Evil, j'ai l'impression Crown, pour le burst, c'est Rouleur derrière qui frappe, Mario Frost sera exécuté à distance par cette escouade Samsung qui va récupérer la TA au niveau du mid. Les TSM doivent faire attention à ça, Nono. C'est comme ça que Samsung veut jouer. C'est comme ça. Attends, c'est que j'allais... Oh, attention, Bjergsen qui va se faire avoir bêtement par la dernière balle de Rouleur. C'est pas fini, Rouleur, le flash in. Et pas ces dégâts, le heal qui a été claqué de la part de Double Lift. Et là, c'est 3 kills qui ont été offerts hein, pour les Samsung. On va pouvoir diriger directement vers un Ashore. Il n'y a pas de défense pour le moment du côté du TSM. On n'a pas d'ultimate de la part de Hunter. Double Lift n'a plus assez de PV pour aller contester. Il y a Biofrost qui va faire son apparition. Mais à mon avis, ce sera bien trop tard pour aller défendre ce Ashore. 4000 HP, déjà 3000 HP. Aucun TSM en vue pour le moment pour les Samsung. Free Ashore à 23 minutes de jeu. Samsung qui revient en termes de gold. 200 gold d'avance pour l'équipe coréenne. Ils ont le baron Ashore sur leur timing spike, enfin sur leur power spike. Mais c'est un peu le truc que j'allais reprocher en fait au TSM, c'est que finalement ils ont fait un move sur la top lane pour récupérer cette T1. Ils ont fait un move sur la bot lane pour récupérer le kill sur QV. Et après ils ont essayé de faire un move sur la mid lane pour essayer de faire une rotation. C'était quand même extrêmement greedy de la part des TSM. C'est un peu le problème, nous sommes qu'à 23 minutes de jeu, pour le moment les morts ne sont pas... Étape par étape pour TSM. Faut pas se presser contre les Coréens ou alors se presser de façon très ordonnée et en groupe. Et là, même. Mais tu peux pas laisser la place au hasard, Samsung est trop opportuniste pour ça. Et ils l'ont bien montré honnêtement sur cette phase de jeu. C'est maintenant eux qui vont dominer la carte pour les prochaines minutes grâce au push favorisé par ce Baron Ashore avec un Dragon des Montagnes également. Qui devrait être à leur portée, Nono, étant donné que les TSM seront sous pression. Ouais, c'est quoi, Dragon des Montagnes? Ouais, ça peut être pas mal, effectivement. Pour les Samsung, ouais, Double Leaf qui va essayer de trade un maximum, mais c'est dur face à QV qui a récupéré Abyssal Léandry maintenant. Il va être très très embêtant pour tous les joueurs de TSM, ce joueur Rumble. On va récupérer le Dragon gratuitement du côté de Ruler et d'Ambition. Voilà, le coup critique à 1141. Jean toujours efficace hein, pour arriver à sécuriser des objectifs. Ouais, meilleur qu'un smite. Penser hein, au niveau de la top lane. On a Hunter qui a mis en place le push. Il a pas de TP d'ailleurs pour revenir au niveau de ses coéquipiers. Attention, Zenskuren, le Draktar ici. Oh, il l'a porté là pour mettre le shield. Biofrost de l'autre côté du mur. Incroyable. Et QV, je le sens plutôt confiant dans son 1v1 en fait face à Hunter. Qui est fou. On va se dépêcher de récupérer le Volstaff à mon avis du côté d'Hunter pour avoir une chance d'arriver à prendre son adversaire en 1v1. Parce que là il y a beaucoup trop de MR en fait du côté de QV. C'est le problème. Après il y a un Abyssal, il y a Double Lift qui essaie de mettre un petit peu de risque, c'est pas mal. On veut jouer un maximum, on fait respirer ses coéquipiers. C'est lui qui est en état de grâce pour le moment sur cette game. 4-0-0. Mais est-ce que ça va être suffisant face à des Samsung qui enchaînent bien là. Qui zone parfaitement. Bjergsen zoné par Crown.
Une T2 au mid récupérée par l'écurie coréenne. Oh, l'arrivée d'un Hunter, non, beaucoup trop loin. Oh là, ça prend des tours côté ouais. Samsung, la Nono. Et regarde en plus en bot lane. Toujours un membre des Samsung qui sont en speed push. Ils sont partout. Ambition, lui, a son ulti, il est capable de se déplacer sur la carte. Kurexa est extrêmement mobile de base. Ils sont en train de dépasser les TSM là, de les forcer à courir un peu partout. La technique de l'essuie-glace n'est même plus suffisante pour les Américains. Attention, là, peut-être une engage. Encore Gigi, on récupère, on babysit Rouleur. Sur cette action, Ambition est contrôlée. Hunter potentiellement pour un flanc. Crown, très très bon au niveau de son zoning. Et Hunter qui monopolise cette ulti. Zilean touché à la sortie du rappel du zonier, le rappel du rideau qui fait mal, qui force un flash out de la part de Hunter. Et peut-être le chase à Nono. Dommage qu'on n'ait pas backup plus tôt. Et QV qui push au top, regarde. Ouais. Oh là là là, les Samsung qui sont en train d'attirer les TSM et de les mener en bourrique. J'ai pas compris là, du côté des TSM pourquoi on n'a pas essayé de sauver justement Hunter pour qu'il puisse conserver son flash ou éventuellement permettre à Hunter de faire un flash in directement sur tous les joueurs des Samsung. Il avait son Maelstrom de disponible, son flash de disponible, son protobelt de disponible, tout pour engage. Mais il est laissé seul face au plus de balles de la part de Ruler. Et du coup, maintenant, les TSM qui ont perdu beaucoup de tours. Pas de Nashor à l'horizon, pas de Dragon à l'horizon. On va pouvoir respirer un petit peu. Les Samsung qui ont perdu maintenant leur buff Nashor. Un peu moins d'agressivité, peut-être, du côté de l'équipe coréenne. Qui devrait permettre aux Américains de farm, de récupérer peut-être le Voice Staff, la pénétration magique dont ils ont besoin. Pour Hunter notamment, c'est vrai. Mais je pense que c'est... Le plus gros problème des TSM, encore une fois, c'est d'arriver à mettre en place leur setup pour un fight. Ouais, mais attention, c'est... TSM, du côté de TSM, le joueur qui est le plus important de leur côté n'est toujours pas mort. C'est vrai. Et il farm. Double et il farm, il récupère du kill, et il va être level 14, il va récupérer son IE. Attention aux dégâts monstrueux qui va coller sur Crown. Maintenant, le seul problème... Ça va être du côté des joueurs. Oh, attention, le téléport de la part de QV. On n'a pas de backup pour le moment. Du côté de Hunter, on est un petit peu loin. L'éradication qui va faire extrêmement mal. On va être obligé de. On force le flash out du côté de Biofrost. On a toujours l'ultimate de la part de Biercel. Sven prend énormément de dégâts. Attention, on se rappelle du rideau là. Il est pas de flash du côté de Hunter. Hunter contrôlé ici la culling. Attention, les Samsung se retournent. Et les TSM pourraient punir potentiellement. Sunscuren n'est pas loin de l'agonie ici. Ouh, l'explosion mortelle. Parfaitement. Juke ici le sidestep de Sunscuren. Ouh, oh, joli stun ici. Dommage, on va pas pouvoir enchaîner de la part de TSM là-dessus, les Samsung. Pour le moment, qui se débrouille bien. On n'a pas réussi à récupérer les kills, mais on met toujours cette pression justement du côté des TSM. On arrive à conserver les flashs du côté Samsung. Tous les flashs sont disponibles, sauf celui de Core Gigi. Côté TSM, par contre, c'est un peu plus dur. Hunter, pas de flash, c'est lui qui va essayer de faire l'engage justement pour ses coéquipiers. Doulelif, par contre, lui a toujours ses summoner spells. Et c'est la valeur la plus importante. En fait, dans les teamfights, ce qu'il faut regarder si vous voulez analyser le teamfight des TSM, c'est justement de voir si Doulelif peut taper. Du côté des Samsung, c'est plutôt un travail d'équipe où ils vont essayer justement de mettre en place leur AOE. Hunter peut avoir une grosse carte à jouer, mais il n'a pas de zonia pour le moment. Ouais. Et ce genre de phase de jeu qu'on vient de voir de la part des Samsung, on peut se dire, alors mais qu'est-ce qu'ils voulaient chercher en fait? Ben, peut-être des flashs tout simplement, Nono. Oui. Peut-être des flashs, parce que c'est vrai que pour eux, en fait, s'ils prennent les flashs des TSM et qu'ils les obligent à jouer autour du Baron Nashor, comme ça va être le cas, il revient dans une minute là. Ouais, c'est pas mal. Et dans les couloirs, l'éradication d'un Rumble va être un très gros problème s'il n'y a pas, enfin, s'il manque des flashs côté TSM. Alors on parle de celui de Hunter et de Biofrost, mais ça peut être suffisant pour être gênant, tout simplement. Parce que TSM, encore une fois, il faut qu'ils combinent parfaitement leurs combos en teamfight pour arriver à être efficace, je pense. Et Samsung a juste envie de les mettre dans une situation où il peut y avoir un problème. Un flash peut venir à manquer. Et derrière, bien l'écurie TSM pourrait être en difficulté, justement. Et c'est là où c'est difficile, finalement, du côté des TSM, puisque Hunter, Sunscaren, Purefrost n'ont pas le droit à l'erreur. Et on pas le droit de faire... Dans ce couloir Ambition, peut-être il a pas flash, pourtant il y avait Biofrost. Potentiellement ligne de mire. Double lift. Oh, double lift. J'ai cru une seconde qu'il y passerait, mais bon, Bjergsen vient au grain. Il utilise son ulti.
Mais là, TSM, donc plus d'ulti pour Bjergsen. Par contre, ça revient vite, normalement. Ils vont tenter un trap, les Samsung. Je suis pas sûr que le trap était très judicieux de la part des Samsung. Ils auraient dû plutôt rush au niveau du Nashor. L'atout principal de TSM est mort. Oh, attention, c'est une carrière, c'est folle ça. Oh, le trap et le flash et la part d'ambition. BioFrost est visé. Les Samsung, la tempête du chaos. Quelle intelligence de jeu de la part de l'équipe coréenne, Hunter. Dans le tête à poser des dégâts sont monstrueux. QV est dans la mêlée. Non, le sauvetage de Korjiji. L'arrivée de l'élite angélique, biblique devrait-on dire même, de ce Tamkench, Nono. Bon, cela dit, les TSM ont réussi à booter les Samsung Nashor. Samsung, ils jouent tellement aux limites, dès qu'ils voient qu'il y a un cooldown qui manque à TSM, ils essaient d'exploiter ça. Et d'ailleurs, c'est étonnant de la part de Zone Skyren, puisqu'il avait mis son trinket rouge, il avait l'information sur Korjiji. Mais il avait que sur lui, et je pense qu'il s'est dit, ils sont au Nashor, il s'est mis là justement pour contrôler. Je pense que c'est tout ce qui a été joué par Samsung, jouer le bluff par rapport à position Nashor. Et on l'a vu, les TSM ont été vraiment surpris quand ils ont vu débouler de ce buisson. Attention là. Ok, téléport de Bjergsen, pourquoi pas, double lit qui a pris beaucoup de dégâts, l'extérieur toujours de disponible, ambition. Il attend pour faire un move, on arrive à trouver la floraison mortelle. Du côté de. Ouais. Et Hunter, qui est obligé de proto-belt là-dessus. Il a son flash désormais, le top laner de TSM. Il a compris, il faut le garder à tout prix. Et maintenant, c'est Bjergsen qui n'a plus le sien. Samsung, ils arrivent à chaque fois à en gratter. Pour le moment, ils n'arrivent pas encore à transformer en Nashor. 3000 gold d'avance pour l'équipe coréenne pour le moment. Bah on voit que la résistance de TSM est quand même assez acharnée. Ils sont quasiment obligés de tomber dans certains pièges TSM, enfin Samsung, parce que face à Rumble, Jin, pour moi, tu peux pas échapper à toute situation de fight et de mort. Mais ils arrivent quand même à bien contrôler Nono et ils restent à 3000 gold, ce qui n'est pas énorme, sincèrement, à presque 35 minutes de jeu. C'est pas grand chose. Il faut mettre la pression là du côté de TSM sur quelque chose. Midlane, Nashor, quelque chose, récupérer des wards. Regardez cette énorme wave qui arrive sous la T2 des Samsung au niveau de cette botlane. QV est parti directement la récupérer. Il va se mettre bien en termes de gold. Il a toujours son téléport dans tous les cas de disponible pour assister ses coéquipiers. À mon avis, Hunter va partir au niveau de cette top lane justement pour essayer de mettre la pression sur la T2 adverse, forcer un joueur des Samsung à se déplacer et à les défendre. Là, ils veulent absolument respirer. On va attendre l'IE du côté de Double Lift. On va attendre le Zonia du côté de Hunter. En fait, il faut absolument que Hunter, Zelfkaren, n'utilise pas l'ultimate de Bjergsen. Il faut que l'ultimate de Zilean soit réservé uniquement à Double Lift. Et ça, par contre, le scénario ça idéal. Mais le problème, c'est que les Samsung, ils aiment pas trop les scénarios hollywoodiens, j'ai l'impression, Nono. Avec un happy ending. Ouais, en tout cas un happy ending américain. J'imagine qu'ils vont vouloir faire en sorte qu'il y ait un happy ending coréen. Alors on va voir justement. Mais TSM joue plutôt pas mal en termes de macro game. Parce que je trouve qu'on les connaît surtout très efficaces dans tout ce qui est stomp, accélération. Mais là ils sont forcés à jouer tactique face à une draft justement qui leur pose pas mal de problèmes, qui les force un peu à l'erreur, qui est punitive. Mais écoute, ils sont là. Regarde, ils ont récupéré la vision autour du Nashor, c'est énorme comme info. Ambition par contre qui va se faire stun, Korjiji qui va le sauver une nouvelle fois par sa dévoration, ils ont pris un petit peu de dégâts. Les joueurs des Samsung. Est-ce qu'on a beaucoup d'armure d'ailleurs? On a une plaque du mort côté Ambition, ça reste très léger, pas encore Zonia de la part de QV. Il va aller chercher un GA je pense Ambition là, c'est ce qui lui manque en ouais, fait. Ouais, GA. Il va la récupérer. S'il a le GA, GA et un flash, il peut faire un fight pour les Samsung. Mais d'ailleurs c'est marrant, c'est utilisation de Olaf, il part sur Banshee à chaque fois. Alors que je pensais justement que le dash spirituel était très intéressant pour un Olaf puisque tu régènes beaucoup d'HP. Puis Reduc CD aussi. Plus Reduc CD. Mais finalement à chaque fois ça fait le deuxième Olaf qu'on voit récupérer une Banshee. Est-ce que justement ça permet pas de prévenir un CC, du coup d'attendre un peu plus pour l'ultimate. T'as plusieurs risques magie aussi sur Banshee. C'est curieux. Bon, en tout cas, par contre, deuxième dragon des montagnes pour les Samsung. Attention au call Nashor qui peut partir extrêmement vite côté Samsung. On a récupéré un Landry de la part de QV. On a un Jin qui fait beaucoup de dégâts aussi sur les Nashor. Évidemment, ce double dragon des montagnes, ça peut aller très 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 vite. Côté TSM, il faudra pas faire d'erreur de placement et d'overextend. Pour le moment, les Samsung n'ont pas l'air d'être très intéressés par le Nashor. Ils ont récupéré la vision, c'est le plus important. Ambition à son flash. Donc il peut faire des plays. Hunter aussi l'a récupéré. Tous les joueurs de TSM l'ont récupéré. Full flash dans ce match. Et du coup pour TSM peut-être une phase de jeu enfin
à jouer dans des conditions qui pourraient être considérées comme étant propices. Tu penses pas qu'ils attendent justement... Oh, Liyue est en poche du côté de Double Leaf, ça c'est un gros power spike. Tu penses pas qu'ils attendent par contre le Zhonya? Parce qu'en Zhonya, j'ai l'impression qu'il va rentrer dans le fight, il va mourir instantanément par le burst de crowd. Il va forcément faire utiliser l'ultimate de Bjergsen. Là, Hunter, il rentre dans le fight, Crown le découpe. Rabadon, Riley, Volstaff, Crown est vraiment en capacité de carry la game. Bah, c'est du one burst. Hein. Get bursted. Ah, là, TSM qui continue à couvrir ce baron Nashor. Effectivement, les deux équipes, on dirait attendre quelque chose. Samsung, j'imagine que, encore une fois, ce qu'ils visent, ce serait un GA sur Ambition notamment. Parce qu'en face, il y en a un sur Zhonskeren et les junglers ont ce devoir maintenant d'engage et de tempo énormément dans la mêlée. Ça fait les affaires de qui d'avoir ces items partout, de part et d'autre? Difficile à dire, si Double Lift en fait... Oh, par contre, Crown qui va faire prendre beaucoup de dégâts de la part de Double Lift, dévoration instantanément. On a réussi à bait deux ultimates du côté des Samsung, même Gersen et Biofrost ont pris pas mal de dégâts. Zhonskeren qui est placé, qui a pu récupérer la vision. Ça par contre, j'aime beaucoup cette macro hein, de la part des TSM. C'est quand même assez intelligent cette récupération de vision. On met la pression sur la mid lane. Et on envoie par contre soit le support, bon en général pas le support puisqu'il est assez weak, le jungle pour arriver à récupérer les wards. Et là comme on peut le voir au niveau du Autol Sonashore, il n'y a aucune ward Samsung. Et à chaque fois finalement cette guerre de la vision est systématiquement finalement remportée par Zhonskeren ou en tout cas compensée par les TSM. Bah, c'est ça qui est fort, ça, c'est en fort. Fait, dans ouais. ce match, c'est qu'ils arrivent à tenir face à toutes les tentatives Samsung, les petits pièges, les tentatives de mind game des Coréens, et les Américains sont suffisamment intelligents et soudés pour résister pour l'instant. Donc c'est un peu un statu quo entre les deux équipes hein, depuis une dizaine de minutes. Quasiment. Oh, flash de la part d'Ambition, Double Lift. Ambition avec son rouge gardien, on en parle et c'est le moment qu'attendaient les Samsung pour le fight. Hunter sur rouleur, Hunter se fatigue, Hunter contrôlé. Et derrière, regardez on Double Lift. Double Lift. Oh, flash du Double Lift pour une énorme colline. Enterré. Et un fight monstrueux de Double Lift. Et voilà, directement, on est obligé de désengager le baron Nashor du côté de TSM. Le call était parsé, pourtant, Double Lift est mort. On peut pas aller le récupérer. Ouais, effectivement, par contre, il faut respecter évidemment les dégâts de Crown. On en parlait énormément de stuff. Ils beaucoup ont, de burst. Ils ont tellement de one-shot. Tout de suite all-in quand ils ont eu le GA sur Ambition, les Samsung. Par contre, sur un endroit aussi ouvert que la mid lane. Ils sont zonés par la bombe. Crown est zoné par la bombe là. Sur un endroit aussi ouvert que la mid lane, par contre, je sais pas si c'était le meilleur setup pour Samsung. Et TSM l'a bien exploité. Ils sont split par rapport à cette éradication du Rumble. Et Hunter sort un très gros flank ici. Double Leaf. Mais ce qui est fou, c'est que Double Leaf, voilà, le carry principal des TSM n'est pas du tout touché. Et là, du coup, il a décidé de jeter la game. Mais Samsung le visait à la base, mais encore une fois. Vu la configuration de la mid lane, l'éradication permettait pas de bien le bloquer. Je pense que Samsung, dans l'idée, ils ont pris le fight au bon timing, mais au mauvais endroit. Et TSM, à côté de ça, a plutôt bien réagi, avec un double leaf qui a su se remobiliser. TSM ont bien fait bloc autour de leur ADC, on l'a vu, hein, tout de suite ils sont commis sur Ambition. C'était peut-être ce que cherchait Samsung, regrouper TSM pour une éradication, mais encore une fois, sur la mid lane, c'est pas facile de rendre un ulti rumble complètement game breaker. Par contre, du côté des Samsung, on a réussi à conserver le flash de la part de Rumble. Donc on va pouvoir justement mettre en place une pression au niveau de cette botlane. Alors que Hunter, lui, n'a pas de flash disponible. Donc impossible qu'il parte au niveau de cette botlane. Sinon, il serait beaucoup trop loin du Nashor. Il y a un coup à jouer de la part des Samsung. Il faut avancer. Rumble, botlane, le reste de son équipe, midlane. Et on essaye de grignoter un petit peu les tours. Pour le moment, c'est pas la stratégie qu'est en train de mettre en place les Samsung. C'est assez étonnant. Rumble est au même niveau que ses coéquipiers. Alors qu'il a son flash de disponible. Je pense que c'est dommage de ne pas profiter de cette opportunité. Alors que regarde, du côté des TSM, Hunter a bien mis la pression en top lane. Gros slow push, au niveau top. Alors là, honnêtement, la configuration est pour Samsung, je pense. S'ils arrivent à mettre les TSM au bon endroit, à mettre une bonne éradication, il suffit de bait l'ulti Bergson et derrière, Crown garde son flash pour finir double lift. C'est comme ça qu'il devrait le jouer. Mais là, en l'occurrence, en fait, les TSM sont en train de zoner les Samsung. Ouais. Comme vous l'avez vu, ils sont allés récupérer la wave sur la mid lane. C'est le plus important, sinon ça va autoriser évidemment les Samsung à aller grignoter cette T3 mid lane. Mais ils sont en train de les zoner complètement. Et regardez cette énorme wave en top lane.
Non, le lock, y a pas de follow-up, y a pas Hunter. Y a pas Hunter, faut pas fight. Attends. Zenskrill qui dit son ulti là, le rappel du rideau sur la fin de l'ulti, attention de Belief, c'est peut-être l'opportunité qu'attendaient les Samsung. Personne touché par le critique ici. Faut back. Et c'est dommage parce qu'on regarde ce slow push qu'il y a au niveau de cette top lane. On s'est un petit peu précipité du côté de la TSM, bien joué de la part des Samsung. Il faut avancer au niveau de cette tour. Hunter qui n'a pas fait son back, lui par contre, il va arriver un petit peu late, mais il peut arriver à trouver un très très bon flank. Mais on a parlé justement de double dragon des montagnes qui est extrêmement fort pour arriver à récupérer les objectifs. Hunter peut-être pour un flank. Hunter. Ils ont l'information, ambition qui est en train de le contrer pour l'instant. Hunter qui tape la protobel, Crown le flash out. Et le pop sur Hunter du côté des Samsung. Maintenant côté TSM, il faut reculer, Nono. Contrôler, ne plus lâcher de kill parce que Samsung a envie d'accélérer, il semblerait. Encore une fois, quel opportunisme de la part de cette équipe coréenne. Et maintenant c'est un Baron Nashor lancé. Double Leaf peut-il le défendre avec un ulti de Bjergsen? Il y a le potentiel d'y croire du côté des TSM. Oh, il a fait tellement de dégâts, il fait l'ultimate par contre de Bjergsen instantanément. Crown qui a toujours son ultimate de disponible. Non, il a claqué. Double Leaf qui arrive à se replacer, qui arrive à trouver les dégâts. Il trouve le kill. Oh, la double bombe sur Crown du Bjerg, mais ce Baron Nashor est récupéré par Samsung. C'est un autre kill pour Rouleur, le triplé également pour le carriadé des Samsung. TSM gratté, TSM qui perd sur une série de détails. Mais le problème, c'est contre Samsung, les détails font absolument tout en fait. C'est comme ça que cette équipe joue. Et stratégiquement, j'ai pas compris. Miette par miette, opportunisme par opportunisme. Ils iront jamais, rarement jusqu'au bout d'un teamfight, encore une fois. Un kill leur suffit pour développer leur jeu à côté. C'est une équipe qui est redoutable pour ça. Ah, effectivement, on va récupérer le Nashor maintenant. Ça leur donne vraiment un boulevard. Hein. Flash in de la part de Ambition. Éradication sur l'ultimate de Bjergsen. Plus de flash pour le midliner de TSM. Ça devrait être la fin de la game pour les Samsung. Hunter qui tente le barreau d'honneur. Il arrive à récupérer un kill sur Ruler. Un deuxième sur QV peut-être. Il a son Zhonya de disponible, il n'a pas le temps de le claquer. Et c'est double lift par contre qui va refaire son apparition. Double lift avec Biofrost, peuvent-ils faire l'exploit? Il y a double kill à récupérer éventuellement. La course à pied de Renault. Oh, le flashant de la part de QV. Le TSM, encore un burst de mobilité. Double lift, en chasse. Connais-lui la gueule. L'exécution. Non, le juke. Il a tout mis à côté. Ça serait ma mère qui serait pas contente. Pistolero. Ta mère, Nono. Ouais, parlons de ta mère à ce moment si tu veux. Il a tout mis à côté. Ouais. Ok, attends pour moi. L'homme n'a pas de limite. Il est encore tôt dans cette soirée. C'est vrai. Et on revoit le fight, la TSM qui tente la défense. Honnêtement, c'était justifié avec un ange gardien sur le lap, avec un ulti de Bjergsen. Eh bien, il fallait tenter du côté des Samsung, enfin du côté TSM, la défense, même à 4v5. Mais Samsung a suggéré. Et derrière, il remporte parfaitement le fight. Mais honnêtement, stratégiquement, j'ai trouvé ça vraiment très mauvais du côté des TSM. Finalement, ils avaient... Oh, il y a des fights tout le temps. C'est dur de faire une analyse, du coup, qui se tiennent. Puisque, du coup, il y a le dragon ancestral, maintenant, qui va être disponible pour les joueurs des Américains. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer? Zanskaren, qui a beaucoup de tanking. Hunter, qui a un bon placement, qui a son flash maintenant disponible. Exactement. Attention au placement. Oh là. Du côté de Crown et de Ruler. Il va pas laisser passer Ambition. Ah, il a un GA, il peut rester. Il a un GA et il peut rester. Allez, on joue au smite. Un jour je serai le meilleur smiter. Faut le taper. Je smiterai sans répit. Oh, c'est Ruler qui fait la loi ici. Les Samsung. Derrière le rush peut-être la part TSM, l'intervention de la part de QB face à Hunter, le 1v1. QB qui pète parfaitement le Maelstrom, tel un maestro ici. Hunter forcé de reculer, TSM contrôlé, TSM qui perd cet Elder Dragon. Non, c'est la fin. Les Américains qui tombent face à l'intelligence de jeu Samsung. Ah, ils vont pas tomber là-dessus. Si, il y a un GA, terminé. On a Baron Nashor, WD qui va mourir. Il a tellement. C'est pas fini, attention, peut-être la défense de la part de TSM, mais non! Les Samsung sont en plein corps à corps avec le Nexus, victoire coréenne! Dans ce premier match de la phase retour du groupe D, non, les Samsung l'emportent au terme d'une game que je dirais typique de cette équipe. Avec. Des outplays, du skill, mais surtout une intelligence de jeu. Et on gratte un summoner, deux summoners, on joue à partir de là.
C'est une équipe qui sait profiter de toute faiblesse dans la carapace adverse, dans l'armure des TSM, pour l'exploiter justement. Moi j'ai plutôt envie de dire des erreurs typiques de la part de Double Lift. Puisque bah, combinaison des deux. Son move sur Crown, quand ils ont gagné le fight les TSM, ils peuvent faire la différence, ils peuvent récupérer le Nashor et du coup de se mettre dans une très très bonne position. Non, c'est pas le choix qu'il a fait, il a décidé de partir en all-in sur Crown, il donne une mort directement. Le call Nashor est cancel du côté des TSM, évidemment ça les met dans une très mauvaise position. Autre problème aussi j'ai trouvé du côté des TSM rapidement, puisque j'ai pas eu le temps de l'expliquer pendant la game puisque ça partait beaucoup trop vite. Mais à un moment en fait ils avaient une très bonne position puisqu'ils avaient une wave qui pushait au niveau de cette top lane. Donc ils avaient une pression en fait naturelle sur du côté fight des TSM. Voilà, exactement autour du Nashor. QV, il avait son téléport disponible, il n'a pas fait le choix de partir en bot lane pour aller mettre une pression. C'est le choix qu'il a fait. Donc du coup les TSM avaient fait un très très bon zoning en fait. Mais le problème c'est qu'ils ont pris un fight les TSM pour aucune raison finalement, alors que Hunter allait se diriger au niveau de cette tour top. Et du coup, bah, ça leur a coûté beaucoup trop cher. On a perdu en rythme, on a perdu en tempo. Et évidemment, tous les joueurs des TSM sont fait reboot derrière. Bah, je pense qu'ils ont été un peu pris par le jeu. Et Samsung qui justement grattait petit fight par petit fight. Oui. Juste pour prendre des petits éléments. Et derrière, leurs ultis reviennent plus vite que les cooldowns de flash adverse. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'ils ont réussi à créer leur victoire petit à petit. Opportuniste Samsung, mais on les attendait justement dans ce style de jeu. On va laisser la parole à Bully et à son parterre d'analyste. À vous les studios. Et salut tout le monde, merci Chips et merci à Fabien qui est de retour avec nous aujourd'hui pour cette journée du groupe. Salut, c'est cool. Du coup, bah, très mauvais départ pour l'équipe nord-américaine. Ils ont vraiment misé sur une draft où on voulait stéroïder un max ce Olaf. On n'a pas réussi à mettre en place le pick-up nécessaire. Il y a eu des très bonnes actions sur la botlane. On a vu que le first blood de tour a été pris au bot. Double Lift a été assez convaincant sur son Lucian. Malheureusement, on n'a pas réussi à snowball là-dessus. Ouais, je pense que alors il y a eu un très bon départ de Samsung au top. Là déjà, je trouve qu'il aurait fallu jouer plus, enfin que le Rumble parte beaucoup plus offensif. Mais après, on avait la bot lane donc ouais qui a été extrêmement bien win par TSM. Et c'est là que je trouve qu'ils ont été très lents sur les rotations et qu'en fait s'ils avaient plus chercher les objectifs à partir de Double Lift qui était très bien dans sa game, ils auraient pu essayer de snowball leur avantage qu'ils avaient autour du mid game et jouer plus sur les power spikes de Olaf. Tout ça aurait été plus intéressant. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que justement, on arrive à récupérer le first blood de tour sur la botlane assez rapidement. Finalement, il y a des tentatives d'engage qui sont tentées au niveau du red buff de la jungle Samsung, mais on récupère pas la vision. On n'essaye pas de capitaliser sur les objectifs. Ils ont vachement échangé en fait de la pression sur les tours en échange de la pression dans la jungle et ça a pas payé quoi. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un problème du côté TSM, c'est qu'on attendait absolument en fait un power spike particulier, c'est-à-dire qu'on attendait que l'Olaf plus Zilean puisse fonctionner. Je crois que le premier moment où ils prennent vraiment l'avantage, c'est à 18 minutes de jeu. C'est-à-dire qu'avant la 18 minutes 30, c'est les Samsung qui sont toujours à l'initiative de tous les moves. Alors il y a certains moves qui sont gagnants pour la TSM parce que on a quand même une game qui était, je pense qu'en termes de stratégie, les deux équipes étaient justes. Par contre, en termes de réalisation, parfois il y avait quelques déchets mécaniques qui changeaient un petit peu les choses. Et les Samsung en fait ont très bien joué leur composition de réponse Olaf, et c'est une composition qu'on a déjà vu, c'est les Rocksiger qui avaient fait un peu pareil, une composition full pick-up en fait, avec Ambition qui était l'espèce de cookie qui se balait sur la carte en disant attrapez-moi, je suis qu'une Rek'Sai un petit peu esselée, et à chaque fois, il y en avait tout le monde avec le Rumble derrière pour catch, et c'était plutôt bien vu. Le combo Jhin-Rumble, c'est quand même assez efficace. On a vu qu'ils essayaient vraiment de... Il y a eu une action sur la mid lane notamment, où ils essayaient vraiment de repousser les TSM dans le couloir avec l'Equalizer, plus le rappel du rideau. Et c'est fatal. Et finalement, impossible de choper les carries Samsung. On a un Kench, on a une Rek'Sai. En fait, il y avait beaucoup trop de range. Une fois que Victor, parce que tu as parlé du combo Rumble Jhin, mais en fait c'est surtout le combo Rumble Jhin Victor. Et en fait, une fois que tu arrives à jouer sur le power spike Riley de Victor, voilà, et que Victor balance son ultimate, plus personne ne peut bouger. Jhin, il fait un rappel de rideau sur tout le monde. Et forcément, ils l'ont très bien joué d'ailleurs. C'est ce qui open la mid lane et qui open le baron. Et c'est comme ça qu'ils font un break. C'est juste que dommage que derrière, ils aient pas snowball sur le break qu'ils avaient fait. Après, le souci, je pense que c'est que Bjergsen n'a pas réussi à être assez décisif avec son Zilean. On en a parlé pendant la game, je ne suis pas du tout convaincue sur ce last pick Zilean. Peut-être qu'ils auraient pu s'orienter vers autre chose, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Zilean avait du sens dans la composition, dans le sens où tu as un Olaf, et puis Bjergsen, il a quand même montré qu'il était excessivement bon sur Zilean. Là, à mon avis, c'est plus une contre-performance de la part de Bjergsen. Il est tombé sur un Crown qui joue son main, et forcément... Et Crown qui était particulièrement efficace. C'est assez infâme. Ouais, le pick faisait du sens, mais effectivement, la réalisation derrière...
laisse à désirer, ça arrive. Mauvaise game. Du coup, ouais, mauvaise game pour TSM. On va vous laisser sur une interview de Crown et on se retrouve juste après la pub pour la game entre Splice et RNG. A tout de suite sur Wargaming. Looking for revenge in this matchup. What was the deciding factor in this victory? 그 이번 TSM과의 경기에서 이제 복수를 아마 꿈꿨을 것 같은데 오늘 승리의 가장 큰 요인은 어떤 것이 있었나요? 저희가 요즘 연습 때도 그렇고 실수를 엄청 많이 하거든요. 그래서 그 실수를 좀 많이 줄이자고 계속 서로 콜을 하고 예, 실수가 그래도 있었지만 네, 그래도 실수를 상대보다 적게 해서 이겼던 것 같아요. While we were practicing and preparing for this match, there are a lot of big mistakes during our scrims and practice, so we tried to minimize those mistakes. And I think overall, the winning factor of this game was because we made less mistakes than TSM. Well, a lot of eyes were also on that mid lane matchup of you versus Bjergsen. I know you said that you had a lot of respect for him. Why do you think you won that lane so heavily? 그 이제 크라운 선수가 비어슨 선수를 매우 존중하고 좋은 선수라고 이제 평가하는 건 있기 들었지만 어쨌든 이렇게 크게 미드라인전에서 승리를 거두게 된 요인은 무엇이 있을까요? 아마도 저에게 빅토르를 풀어준 것? 네, 그거인 것 같아요. I think it's because they let me play Victor. That's what I figured. In any case, Crown, we saw you after regionals being very, very emotional and just very happy to come the Worlds, but now you've already got two victories. There is a chance that you can get out of groups. What are your expectations for the rest of the day? 그 크라운 선수 이제 한국 LCK에서 이제 국대 선발전 당시에 이제 매우 감정적으로 기뻐한 모습을 보여주셨는데 오늘도 이제 두 경기만 더 승리를 거두면 8강에 진출하게 됩니다. 지금 오늘 남은 각오랑 소감 말씀해 주세요. 아직 두 경기가 남았는데 둘 다 이제 엄청 잘하는 팀들이라 아직 네, 긴장을 하고 있고요. 아직도 긴장감을 유지하고 남은 경기도 깔끔하게 이기고 네, 그때 좋았던 감정이 복받쳤던 것처럼 오늘도 될 수 있을지 모르겠지만 열심히 해보도록 하겠습니다. So the remaining two opponents, Splice and RNG, they're both really strong teams. So I don't want to keep my guards. I want to keep... I don't want to keep my game going and I want to keep my guards down. So hopefully after by the end of the day, I can once again feel that emotion after the game day's over. We will see. And with this win, you actually have three wins. So in very good position. Thank you very much, Crown and Homan. And Analyst Desk, take it away.